Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un after patch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur toutes les maps zombies qui sortiront et qui sont déjà disponibles. Donc c'est un after patch, enfin c'est un glitch, qui consiste à gagner plus de 2000 clés, donc entre 2000 et 2400 clés en 24 heures. Et vous pouvez faire ça x3, donc on pourrait gagner 7200-600 clés si vous partagez entre vous. Donc je vous invite à rejoindre la communauté de Trash Dead Zombie, qui justement est une communauté de partage de clés. Donc voilà, je mettrai le lien le nom de la communauté PS4 dans la description. N'hésitez pas à rejoindre cette communauté si vous voulez partager et gagner des clés facilement et faire un maximum de clés en peu de temps. Donc voilà, alors l'after patch, qu'est-ce que c'était avant? En fait, tout simplement avant, quand on faisait une partie de zombie, on allait à la manche 100 et on invitait nos potes rejoignaient, on quittait la partie et les 4 personnes touchaient 100 clés, donc avaient 100 clés chaque personne. Donc maintenant, ils ont créé un patch et maintenant ça ne fonctionne plus. Quand tu rejoins une personne, tu ne gagnes plus le nombre de clés que la même personne qui a fait les 100 manches. Parce que voilà, ils ont patché ça. Donc si toi t'as fait 0 manche et que t'arrives à la 100e manche, bah t'auras qu'une clé. Voilà, t'auras plus les 100 clés comme l'autre de la partie. Donc nous, moi, Johnny, 34, Christophen, Scotty, Donovan, nous 5, enfin un peu plus de monde, on a cherché pendant plus de 24 heures pour trouver cet after patch. Donc je vous demanderai d'exploser la barre de like, s'il vous plaît, exploser cette putain de barre de like, parce que c'est une exclusivité française et on a galéré plus de 24 heures pour trouver ça. On a fait plein de solutions, plein de façons différentes pour trouver comment gagner, comment continuer à partager nos clés et comment gagner un maximum de clés. Donc voilà, c'est tout simple. Alors je dis 2400 clés, 2000 clés, plus de 2000 clés parce qu'on est en double clé, hein. Sinon ce serait 1200-1400. 1200, voilà, ce serait 1200, la moitié. Entre 1000 et 1200 si on ne serait pas en double clé. Donc là, je vais aller dans zombie, voilà, tout simplement. Vous pouvez voir que EXP en haut à droite, il y a des clés en double clé. Donc comment ça se passe? Et bien là, je vais attendre une invitation de Donovan. Je vais attendre une invitation de Donovan. Parce que lui, il est en train de faire une partie. Donc là, je vais rejoindre Donovan et je vais rejoindre Johnny juste après. Donc, je vais vous montrer deux exemples que ça fonctionne pour bien vous montrer que ça fonctionne bien, la technique. Donc là, je vais rejoindre Donovan, je serai avec Christophen et Scotty. On va tous les trois rejoindre Donovan. Et quand il m'enverra une invitation, et ben en fait, je vais fermer l'application. Donc là, je vais déjà fermer l'application et je vais attendre que, tout simplement que... Je vais attendre tout simplement que Donovan m'invite. Donc là, je vais fermer l'application, voilà. Et j'attends l'invitation de Donovan. Donc là, je vais lui envoyer un petit message que je suis prêt. Il m'a déjà envoyé une invite. Voilà. Donc là, je vous mets la preskin à l'écran. Et en fait, cette invitation, donc il faut absolument la rejoindre tous en même temps. Donc moi, Christophen et Scotty, on va devoir la rejoindre en même temps. Donc faites un décompte, donc vous comptez 1, 2, 3, à 3 vous rejoignez l'invitation. Mais avant de rejoindre l'invitation, il faut relancer le jeu. Obligé, hein, si vous êtes dans le jeu, c'est pour ça que j'ai fermé l'application juste avant, il faut relancer le jeu quand il vous invite. Donc là je relance le jeu, voilà, j'enregistre, voilà, nickel. Donc là on va attendre que le jeu se relance. Voilà, quand le jeu est relancé, vous vous connectez, vous allez en mode zombie, obligatoirement vous devez faire ça. Il faut que les trois personnes le fassent aussi, sinon vous ne gagnerez aucune clé. Ou alors vous aurez de la chance et vous gagnerez des clés. Mais je pense pas que vous gagnerez des clés. Donc là on attend que la récupération du profil se fasse, voilà. Alors ensuite, Donovan il est dans Shaolin Shuffle. Il est en train de faire le chi
illimité, ultime en illimité. Donc je tiens à préciser que dans la vidéo, dans la description de la vidéo, il y aura un lien bien sûr pour vous présenter le glitch du chi en illimité pour faire 50 manches en une heure, easy, facilement, même sans rien faire, si vous avez un strike pack. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans la description. Alors, ce qu'il faut faire maintenant que vous avez reçu l'invitation de votre pote, vous relancez le jeu zombie, vous allez dans partie personnalisée et vous allez choisir le film, donc la map dont votre pote est, tout simplement. Donc là, Donovan, il est dans Shaolin Disco, donc je charge la map Shaolin Disco. En bas à droite, il est marqué en attente, chargement du niveau. Donc là, je vais attendre que le chargement du niveau s'efface et qu'il soit juste marqué en attente. Les trois personnes qui rejoignent Donovan, ou celui qui partage les clés, il faut absolument qu'ils fassent la même chose que moi, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'attends que ce soit prêt. Dès que c'est prêt, j'envoie un message à Donovan parce qu'il ne m'entend pas. Et lui, il va m'envoyer Go pour me dire rejoins. Donc on va tous rejoindre en même temps. Donc là, vous voyez en bas à droite, en attente, c'est bon, c'est fini. Donc là, ce que je fais, j'appuie sur le bouton PS, je retourne dans notification. Voilà. Je vais sur l'invitation de Donovan, je clique X une fois et là je vais dans, je laisse mon curseur sur rejoindre. Là je vais envoyer un message à Donovan, je lui envoie que je suis prêt. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Donovan? Il va faire un décompte avec les autres et à 3, on va tous rejoindre. Donc là je lui envoie prêt, voilà, et là il fait le décompte. Donc attendez parce que je ne sais pas s'il le reçoit, donc apparemment il ne le reçoit pas. Voilà, là je l'ai envoyé prêt, donc là il est en train de faire le décompte. 3, 2, 1, et là il va me dire go. Donc j'attends son go. Donc voilà, Scotty a eu un petit problème, il n'arrive pas à se connecter au jeu, donc on va le faire qu'à 3. Mais bon, c'est pareil. Et là, 1, 2, 3, go. Voilà, je rejoins. C'est parti. Donovan m'a envoyé le go. Et regardez, le chargement de la partie a été instantané. C'est pour ça qu'il faut absolument charger le niveau avant de rejoindre votre pote, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors ensuite faut mourir quand le jeu de cartes s'est affiché, donc ça va, je suis mort quand le jeu de cartes s'est affiché. Il faut pas mourir avant parce que sinon vous n'aurez pas les clés. Donc là Donovan va mourir en dernier, essayez que l'autre de la partie meure en dernier, c'est toujours préférable parce que c'est possible qu'il y ait une couille, mais bon normalement on n'a pas essayé, mais je pense que ça pourrait peut-être marcher même si Donovan, qui est l'hôte de la partie, meurt en dernier. Donc là, vous pouvez voir qu'on a mis 1h11 minutes à aller jusqu'à la manche 50. Donovan a mis à la manche 50. Et regardez le nombre de clés que je vais gagner. Je suis à 801. Et là, je suis à 897. Donc, on a gagné 96 clés et en 1 heure. Donc, si on fait 96 clés fois 24 heures, eh ben ça vous fait plus de 2000 clés. Donc, voilà. Donc c'est pas un putaclic. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais recommencer avec, Johnny34. Donc là, je vais retourner dans la vocale pour leur demander s'ils ont bien gagné leur clé. Et je vous dis à tout de suite, je vais couper la vidéo, donc à tout de suite. Donc voilà, ils ont bien tous eu des clés. Dommage pour Scotty qui a eu un problème de connexion, il n'arrivait pas à se connecter. Donc voilà, un joueur en moins, dommage pour lui, désolé pour toi plutôt. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, ils ont fermé le salon, donc voilà, ils m'ont exclu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre Johnny34. Donc là, ce que je fais, pour rejoindre Johnny34, il m'a déjà envoyé un invite. Donc qu'est-ce que je fais? Je ferme l'application. Donc attendez, je dois enregistrer le clip. Hello. Voilà, je ferme l'application. Et là, je vais aller dans mes notifications de messages. Je vais aller dans l'invitation de Johnny34, voir si j'ai bien reçu l'invitation. Donc on va regarder. J'ai bien reçu l'invitation il y a 2 minutes, donc ils sont déjà tous prêts, ils m'attendent. Donc maintenant que j'ai fermé l'application, je relance l'application Call of Duty Infinite Warfare. Je relance une vidéo. Le jeu actuellement ne peut pas être enregistré. Ok, c'est pas grave. On attend. Voilà, là, c'est bon, ça enregistre. Donc là, voilà, j'ai relancé Call of Duty. Toujours relancez votre jeu, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors ensuite, quand vous êtes... Parce que en fait, si vous relancez pas votre jeu, vous risquez de rejoindre la session et que ça va être impossible de rejoindre la session. Et après, il faudra redémarrer votre jeu et relancer la session. Donc voilà, redémarrez votre jeu directement. Comme ça, ça vous évite cette corvée et ça vous évite que ça bug. Donc ensuite, vous cliquez sur Infinite Warfare. Voilà, vous allez dans Zombie et vous chargez la même map que la personne qui est. S'il est sur Redwoods, vous chargez Redwoods. S'il est sur Spaceland, vous chargez Spaceland. Et s'il est sur Shaolin Shuffle, comme là, Johnny34 est dans Shaolin Shuffle,
on charge Shaolin Shove. Donc je vais dans partie personnalisée ou partie solo, c'est la même chose. Vous allez dans choisir film et vous attendez qu'en bas à droite, donc vous choisissez votre film. Et en bas à droite, il faut attendre que le chargement du niveau soit terminé. Je tiens à préciser que, enfin redire que le chi en illimité est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez faire en solo plus de 2000 clés parce qu'il y a double clé, et en simple clé ben c'est 1000, et si vous partagez, si vous êtes à 4 à partager, ben vous pouvez faire 6-7000 clés par jour, donc c'est incroyable. 24 heures, quand je dis 24 heures, c'est 24 heures non-stop. Hein. Donc là, mon jeu il est en attente en bas à droite, donc là c'est bon. Ce que je fais, c'est que je fais PS, je vais dans notifications, je vais dans l'invitation de Johnny34. Voilà, Johnny34 est un peu plus bas, donc il y a 4 minutes. Donc je clique sur l'invitation de Johnny34, il y a 4 minutes. Donc voilà, je m'apprête à rejoindre. Là, moi, comme je ne suis pas en conversation vocale, je vais leur envoyer un message que je suis prêt. Et eux vont faire un décompte entre eux. Donc là, j'envoie à Johnny34. Prêt. Voilà. Et là, maintenant, j'attends son go. Dès qu'il m'envoie son go, donc lui, il va compter 1, 2, 3, compter 1, 2, 3. C'est plus facile que 3, 2, 1. Parce que les gens vont soit quitter à 1 ou soit à go. Donc voilà, là, il m'a dit go. Donc là, hop, je rejoins. C'est parti. Connexion à la session en cours. Bam, bam, bim, badaboum. Voilà. Donc là, je rejoins, regardez, instantanément la map. Et c'est ça l'after patch. En fait, c'est ça. Ils n'ont pas pensé à ça. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à liker. Hein. Donc voilà, ouf, j'ai vraiment eu chaud. Parce que voilà, il faut quand même attendre que vos cartes apparaissent avant de mourir. Donc là, on est tous morts. Donc non, il n'y a que moi, Donovan, qui est mort. Là, on attend que Christophen meure. Voilà, il est mort. Et maintenant, Johnny va mourir. Vous voyez bien qu'on a tous 0-0-0 partout. On n'a fait aucun kill. On n'a pas passé de manche. On a fait la technique que je vous dis. Et je vous dis, on a mis plus de 24 heures. On a bien mis 30 à 36 heures pour trouver cet after patch. Et ça, à un moment, je m'arrachais les cheveux. Donc là, on était à la manche 123, 10 heures, de, 10 heures. Pendant 10 heures, il a laissé la partie. Donc il a un strike pack, donc ça se fait automatiquement. Il a été dormir et voilà. Ça, c'est toute sa nuit. Et regardez, j'étais à 2897. Et maintenant, je suis à 3133. Donc j'ai gagné 140 clés. Voilà, 140 clés. 130, 135, 140 clés. Voilà, j'ai gagné. Donc voilà, vous voyez bien que ça marche. C'est un glitch de fou. Donc s'il vous plaît, likez un maximum, partagez un maximum. Likez un maximum pour nous récompenser parce que franchement, on s'est tiré les cheveux à mort, à mort, à mort pour trouver cet after patch. Donc grosse dédicace à Donovan qui a tout le temps fait le chi en illimité, qui était là du début à la fin. Donc grosse dédicace à moi-même parce que moi aussi j'étais là du début à la fin. Et grosse dédicace à Johnny34 qui bien sûr est venu aussi nous aider. Pendant un grand moment, pendant toute la nuit, et Christophen qui était là à la fin, au début et à la fin. Donc grosse dédicace à vous et à Scotty aussi, je t'oublie pas, et à tous les autres qui nous ont aidés pour voir s'ils gagnaient les clés ou pas. Alors merci à tous, je mettrai leur lien de leur chaîne YouTube en description, donc de Johnny34 et de Donovan, parce qu'il a une nouvelle chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse, bah, abonnez-vous. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir et ça leur ferait extrêmement plaisir. Merci à tous de soutenir nous les Français qui passons des heures et des heures à trouver un glitch pour pouvoir vous le proposer. Pour voir aussi le glitcher de jeu et gagner plein d'XP, enfin plein de clés de cryptage et tout débloquer de l'arsenal easy, facilement, tranquillement. Donc profitez bien du double XP parce qu'il se termine mercredi. Ce mercredi-ci il terminera. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement ça devrait être, à mon avis ça doit vous avoir plu, je pense hein. Donc s'il vous plaît, likez, commentez et partagez un maximum pour nous aider à évoluer sur YouTube. Et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.